Bonjour tout le monde. Voilà, comme prévu, je vous fais la deuxième séance de révision du cours de biologie animale, première année. Bon, j'ai 2-3 minutes de retard, c'est pas tellement de ma faute, c'est un peu à cause de la connexion, donc il n'est pas très rapide. Bon, d'abord, je voudrais savoir. Si vous me voyez et que vous m'entendez, donc au moins un, deux commentaires. Voilà, très bien. On va quand même. Je vais patienter un petit peu, encore 1 minute, le temps que les gens se connectent. Et puis, on démarre. Donc, ah, très bien, voilà, ça commence. Bonsoir, belle mare. La séance précédente, on avait fait la première révision, il y avait des questions. Finalement, je vous avais dit, je vais. Bonjour, Soma. Et Benz, homme quelque chose. Donc, les questions, en général, j'ai répondu à toutes les questions par écrit, une par une. J'ai vu un peu tout le monde, tous les commentaires qu'il y a eu, et les questions, j'ai répondu. Bon, maintenant, s'il y en a une ou deux que j'ai pas vues, vous pouvez toujours me la reposer, je vous répondrai directement, il n'y a pas de problème. Voilà. J'avais prévu pour cette séance l'appareil génital femelle, comme on a vu le mâle, l'ovogenèse, et en fait j'avais programmé la segmentation. Bon, pour la fécondation, je ne sais pas, bon, j'avais prévu de ne pas vous réviser, mais si. Voilà, suivant vos commentaires, si vous voulez que je vous fasse la fécondation, on laissera la segmentation pour la prochaine séance, Inch'Allah. Voilà. J'attends. Dites-le-moi par écrit au cours de cette vidéo et puis on décidera sur place. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Je peux revoir avec vous la fécondation, il n'y a pas de problème. La reproduction chez la femelle, c'est à peu près la même démarche hein, qu'on a vue chez le mâle. Elle est sous l'influence de différents facteurs, parmi lesquels la production des hormones féminines et la production de gamètes femelles, d'ovocytes. Voilà. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien sûr toute une série de glandes. Hein, des glandes endocrines qui sécrètent les hormones, mais il faut aussi un appareil génital femelle qui va produire ces gamètes. Bon, bien sûr, chez la femelle, c'est un peu plus compliqué que chez le mâle. Hein, pas du point de vue de l'appareil génital, etc., mais un petit peu au point de vue de la production de ces gamètes. Ce n'est pas aussi simple que chez l'homme. Donc chez la femme, c'est un peu plus complexe, pas compliqué, un peu plus complexe, un peu différent. Voilà. La reproduction, elle est assurée grâce à l'appareil génital femelle. Qu'est-ce qu'il y a dans l'appareil génital femelle? Il y a les glandes qui produisent les cellules sexuelles. Ces glandes, bon, on les connaît, on les a déjà vues en cours, ce sont les ovaires. Donc deux ovaires. Hein, qui sont dans la cavité abdominale, qui sont accrochés grâce à des ligaments, bien sûr, pour les maintenir en place. Hein. En plus de ces glandes, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le tractus génital femelle, ou bien les voies génitales femelles. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont accompagner les cellules sexuelles femelles hein, jusqu'à l'utérus où va se faire le développement de l'embryon.
Alors, pour cela, comme chez le mâle, chez la femelle aussi, il y a un organe copulateur qui va servir donc à la relation sexuelle, donc à l'acte sexuel qui permet donc au mâle de déposer les spermatozoïdes à l'intérieur de l'appareil génital de la femelle. Voilà. Donc ce tractus génital, on le connaît, ce sont les trompes de Fallope, donc avec le pavillon, l'ampoule, l'isthme, les deux trompes de Fallope, donc droite et gauche, vont déboucher sur l'utérus. Et ensuite, après l'utérus, qui est presque fermé, disons pas fermé, mais il est rétréci, hein, au niveau du col de l'utérus, et ça sera le passage vers l'organe copulateur femelle, qui est le vagin. Le vagin, bien sûr, qui va s'ouvrir sur la vulve qui constitue l'appareil génital femelle externe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire on ne va pas revenir exactement en détail, parce que, bon, on l'a déjà vu en cours, je vous l'ai expliqué, je vous l'ai dessiné, etc. Mais c'est juste un rappel, comme ça, vous êtes au courant. Donc, ce qu'on peut dire, en gros, hein, pour résumer, juste résumer, donc, les cellules sexuelles sont produites au niveau des ovaires, donc c'est alternativement. Chez la femme, c'est chaque mois, chaque cycle, disons. Le cycle qui correspond presque à un mois. Donc, chaque cycle, c'est l'ovaire droit, ensuite l'ovaire gauche qui travaille, etc. Donc, il se produit généralement, je dis bien généralement, dans la plupart des cas, la production d'une cellule sexuelle au cours d'un cycle. Une cellule sexuelle, un ovocyte, hein, au cours d'un cycle. Alors, cet ovocyte, quand est-ce qu'il va venir? Il va venir donc au moment de l'ovulation, ovulation qu'on appelle la ponte ovulaire, qui se situe généralement à peu près, disons, au 14e jour. Bien sûr, quand on dit 14e jour, ce n'est jamais strict, hein. C'est comme un cycle sexuel de la femme de 28 jours. Ce n'est jamais strict. Il peut y avoir un peu plus, un peu moins. Ça dépend de beaucoup de facteurs, beaucoup de conditions, etc. Donc, mais en moyenne, hein, chez les femmes, quand on fait le calcul sur des grands effectifs, on trouve que c'est le cycle dure 28 jours. Voilà, il peut durer plus, il peut durer moins, même chez la même femme, il peut des fois varier, etc. Et l'ovulation aussi, donc elle tombe à peu près au 14e jour, avec des plus et des moins, bien sûr. Alors, cet ovocyte va tomber dans le pavillon de la trompe de Fallope, donc une partie anatomique donc de l'appareil génital femelle. Ensuite, cet ovocyte va commencer, hein, sa descente, hein, au niveau de la trompe de Fallope. Donc il va se déplacer au niveau de la trompe jusqu'au premier tiers de la trompe de Fallope. À ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit il rencontre des spermatozoïdes et il peut y avoir une fécondation, soit il ne rencontre pas de spermatozoïdes et donc, bien sûr, il n'y aura pas de fécondation. Il va co continuer à cheminer, hein, à travers toute la trompe et ensuite il va arriver à l'utérus. Ici aussi, l'ovocyte qui arrive à l'utérus, il y a deux cas, bien sûr. Si cet ovocyte donc a été fécondé, ça veut dire qu'il a déjà commencé le développement embryonnaire, les premiers stades de la segmentation et il va arriver au niveau de l'utérus, et à ce moment-là, il va continuer à se développer, bien sûr. Il va s'installer dans la paroi de l'utérus, il va faire ce qu'on appelle la nidation, il va s'installer, il va ensuite évoluer, il va développer les annexes embryonnaires pour pouvoir se développer, etc. Premier cas, et au bout de 9 mois, bien sûr, il y aura la naissance. Bon, on n'est pas encore arrivé à ce stade parce que c'est le début, juste le début du module, hein, du cours. Donc, deuxième cas, si cet ovocyte n'a pas été fécondé, donc
il reste toujours au stade d'ovocyte, et à ce moment-là, hein, il va commencer à dégénérer, il va dégénérer, et à la fin du cycle, à la fin du cycle, qui correspond au début du nouveau cycle, à ce moment-là, il va être éliminé en même temps que les règles, bien sûr, les menstruations. Donc les menstruations, donc c'est le dégagement donc de sang, de cellules épithéliales, etc., de l'utérus, qui vont être éliminées. Et à ce moment-là, on va commencer un nouveau cycle, c'est-à-dire encore, on revient maintenant aux ovaires, et il va y avoir la maturation d'un nouvel ovocyte jusqu'au 14e jour. 14e jour, ovulation, ponte ovulaire, donc trompe de Fallope, migration tubaire, migration tubaire. La migration tubaire, c'est le déplacement donc de cet ovocyte au niveau de la trompe de Fallope. Voilà. Pendant la migration tubaire, encore une fois, s'il y a des spermatozoïdes, il va y avoir fécondation. S'il n'y a pas de spermatozoïdes, pas de fécondation, et un nouveau cycle recommencera. Donc, ce que je peux vous dire, si dans le cas où il y a la fécondation et que l'œuf commence à faire la nidation, il va s'installer, etc., bien sûr, les cycles sexuels de la femme vont s'arrêter. C'est tout à fait normal, ça y est. La femme va tomber enceinte, disons, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de nouveaux ovocytes qui vont venir, etc., etc. Ça ne sert à rien. Pour la reproduction, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, en gros, voilà comment va se faire le développement de l'ovocyte, de la cellule sexuelle. Alors, chez la femme, le développement des cellules sexuelles, donc, qui commence très tôt, c'est-à-dire pendant que cette femme, qui n'est pas encore une femme, parce que pendant qu'elle est encore au stade embryonnaire, quand elle-même est dans le ventre de sa mère, que vont se développer ce qu'on appelle des cellules germinales primordiales. Cellules germinales primordiales. De sens, ce sont ces toutes premières donc cellules à caractère sexuel chez la femme. Déjà quand elle est toute petite, quand elle est encore au stade d'embryon, ça commence à se développer. Donc chez la femme, ça commence très tôt. Ce n'est pas comme chez les hommes. Après, donc, on a dit que ça commençait au moment de la puberté. Ça commence très tôt. Ensuite, à un certain moment, donc, ce développement va se bloquer. Bien sûr, c'est tout à fait normal, hein? On obtient donc des ovogonies. C'est la phase de multiplication. Ensuite, des ovocytes de premier ordre. Les ovocytes 1. Ça va se bloquer, hein? En prophase de la première division de la méiose. Donc, si vous vous rappelez, même chez l'homme, on a dit à un certain moment, il y a la méiose. La méiose, c'est une double division, une mitose réductionnelle suivie d'une mitose donc équationnelle. Le résultat de la méiose, c'est de diviser par deux le nombre de chromosomes de ces cellules sexuelles. Voilà. Donc chez la jeune fille, chez l'embryon de la fille, donc ça commence très tôt. Donc il y a des divisions. On obtient des ovocytes 1 qui vont se bloquer. Ils vont s'arrêter, bien sûr. Si elle est encore dans le ventre de sa mère, elle ne peut pas assurer de reproduction, ni rien du tout. Donc ça va se bloquer en prophase de la première division de la méiose. Ça va s'arrêter. Ensuite, le développement de l'embryon second 1, la petite fille va naître. Quand elle est bébé, quand elle est enfant, il ne va rien se passer, c'est tout à fait normal. Hein? Bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? À un certain moment, au moment de la puberté, cette activité sexuelle va reprendre. C'est-à-dire, tout simplement, les cellules qui étaient, ces cellules sexuelles, hein, c'est les ovocytes 1, ils étaient en prophase de la première division de la méiose, et ils vont commencer à continuer donc leur développement. C'est-à-dire première division de la méiose, voilà. Ensuite, deuxième division de la méiose. Donc après, on verra le détail. Premier globule polaire, deuxième globule polaire, etc. Donc, elles vont se transformer en ovocyte 2. Et ensuite,
elles vont encore se bloquer une deuxième fois. Donc, deux fois, une fois, la première fois au stade de l'ovocyte 1, et ensuite elles vont encore se bloquer une deuxième fois. Alors, quand est-ce que ça va redémarrer? C'est pas possible sinon. Eh bien, ça va redémarrer chaque mois, à chaque cycle, il y a un ovocyte qui va continuer, qui va se débloquer et qui va continuer son développement pour être pondu. Voilà un petit peu comment va se faire le développement des œufs. Alors, comme je vous disais, chez la femme, c'est toujours un peu plus compliqué. Ces cellules sexuelles, ces ovocytes, etc., ne vont pas se développer comme ça, comme chez le mâle, dans les tubes séminifères, tout simplement. Mais elles vont se développer en parallèle avec, en même temps que, un autre élément qu'on appelle le follicule. Donc, l'ovogenèse va se faire en même temps que la folliculogenèse. Bon, bien sûr, je ne vous apprends rien puisqu'on a déjà vu ça en cours. Bon. Mais c'est en parallèle. Qu'est-ce que c'est que ce follicule? Ce follicule, c'est une formation qui est très importante, c'est une formation anatomique, déjà, anatomique, qui va avoir une forme, etc., etc., mais en même temps physiologique et surtout sécrétoire, donc qui va sécréter des hormones. Et en même temps, elle est physiologique parce que elle va permettre donc le développement de l'ovocyte. Elle va autoriser donc le phénomène qu'on a appelé l'ovulation, etc. Donc le follicule ovarien, il est très très important puisqu'il va participer directement à la reproduction chez la femelle. Voilà. Alors, ces follicules, comment? Je sais que je ne les ai pas mis dans le polycopier de cours, hein, mais si vous vous rappelez, je vous les avais fait en cours, au tableau, je vous avais fait tous les dessins. Donc, du follicule primordial, c'est-à-dire un ovocyte entouré de quelques cellules folliculaires. Ensuite, cet ovocyte et ces quelques cellules folliculaires, le follicule primordial va continuer à se développer pour donner un follicule primaire. Le follicule primaire entièrement entouré de cellules folliculaires. Ensuite, on a vu qu'il y avait un follicule secondaire, donc d'autres couches de cellules folliculaires, toujours autour de l'ovocyte, hein. Voilà. Ça continue à se développer en follicule tertiaire, préantral. Ensuite, en follicule cavitaire, où il y a une cavité, la cavité qui va commencer à apparaître. Cette cavité s'appelle la cavité folliculaire et elle va se remplir d'un liquide, hein, comme de l'eau, hein, d'un liquide qu'on appelle le liquide folliculaire. Et ensuite, ce follicule cavitaire va encore évoluer pour donner le follicule mûr ou follicule de Degraaf. Alors, dans ce follicule mûr ou follicule de Degraaf, donc là, vous pouvez reprendre sur votre cahier, hein, donc ceux qui ont assisté au cours, qui ont dessiné avec moi et tout, vous pouvez reprendre, vous allez retrouver tout ça, donc c'est pas très compliqué, il faut connaître et c'est tout. Dans ce follicule, il y a un ovocyte. Alors, la première chose, c'est la cellule qui est très très importante, qui est l'ovocyte, c'est la cellule sexuelle. Alors, deuxième des choses, on remarque que cet ovocyte, c'est entouré d'une membrane assez épaisse qu'on appelle la membrane pellucide ou zone pellucide. Donc c'est pas une membrane plasmique hein, comme on l'a vu au premier semestre, ma membrane. Non, c'est une membrane spéciale qui entoure l'ovocyte. Elle est épaisse donc et elle va participer donc à tous les phénomènes de formation du follicule. Donc la membrane pellucide. Après cette membrane pellucide, on a des cellules qui entourent donc ces deux, voilà, l'ovocyte plus la membrane pellucide, qui sont les cellules de la corona radiata. Les cellules de la corona radiata, donc, qu'est-ce qui va leur arriver? Elles vont s'entourer d'autres types de cellules folliculaires qu'on appelle
qu'on appelle les cellules de la granulosa, ou bien zona granulosa, donc là, vous connaissez. Et n'oubliez pas qu'entre la corona radiata presque entière, hein, pas totalement, sauf une partie dont je vais vous parler juste après. Donc, les cellules de la corona radiata sont séparées de la cellule de la zona granulosa par la cavité folliculaire qui contient le liquide folliculaire. Voilà. Alors, comment s'accroche l'ovocyte au reste du follicule? Il va s'accrocher par une sorte de petite tige. Donc, si vous regardez le schéma, c'est plus simple parce que en parlant, c'est pas assez facile. Hein. Une sorte de petite tige constituée de cellules qu'on appelle le cumulus oophorus. C'est lui qui accroche donc l'ensemble. Donc, ovocyte, zone pellucide, corona radiata au reste du follicule. Vers l'extérieur, donc après la granulosa, qu'est-ce qu'on a? On a encore d'autres types de cellules folliculaires qui sont très importantes, donc qui constituent ce qu'on appelle la teque interne et la teque externe. Voilà. Ce que je viens de vous décrire ici, c'est le follicule mûr de De Graaf, donc qui est prêt au phénomène de l'ovulation, c'est-à-dire il doit être prêt au 14e jour. Donc ce follicule, bien sûr, sous l'influence de la LH, donc d'une hormone hypophysaire qui va faire donc quelques heures avant un pic de LH. Rappelez-vous, donc on aura une grande sécrétion de cette hormone, l'hormone lutéinisante, LH, donc qui va provoquer quoi? Elle va provoquer donc l'éclatement de ce follicule et la libération de l'ovocyte donc dans le pavillon de la trompe de Fallope. Voilà, donc au moment de l'ovulation, qu'est-ce qu'on aura? On aura un ovocyte entouré de la zone pellucide, la membrane pellucide, et entouré de la corona radiata et d'une partie des cellules du cumulus oophorus. Voilà donc comment va se faire cette ovulation et qu'est-ce qu'elle va co contenir. On verra par la suite, on verra par la suite comment ce petit ensemble va évoluer. Alors, qu'est-ce qu'il va rester l'ovaire, après le 14e jour, après cette ponte ovulaire, après cette ovulation, qu'est-ce qu'il va rester? Donc, si on enlève l'ovocyte, la zone pellucide, la corona radiata et une partie du cumulus oophorus, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester l'autre partie du cumulus oophorus, les cellules de la granulosa, la teque interne et la teque externe. Bien sûr, il n'y aura pas de liquide folliculaire parce que le liquide folliculaire, quand le follicule éclate, hein, au moment de l'ovulation, le liquide va s'écouler, bien sûr. Donc, il ne va pas rester. Et à quoi, comment vont évoluer et à quoi vont servir les cellules qui restent dans l'ovaire, celles que je viens de vous décrire? À quoi elles vont servir? Elles vont tout simplement se transformer en une sorte de glande endocrine. Voilà. C'est ce qu'on appelle le corps jaune, hein, qui va continuer à évoluer. Ici aussi, il va y avoir deux cas avec ce corps jaune, deux possibilités. Si il y a fécondation, le corps jaune va persister, va rester, il va sécréter des hormones, hein, il va participer donc au maintien de la grossesse, tout simplement. Voilà, grâce aux hormones qu'il sécrète, donc il va participer donc au développement embryonnaire pour que se fasse bien. Voilà. Jusqu'à un certain moment, bien sûr, il va travailler, 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 jusqu'à un certain moment où il va être remplacé donc par autre chose, par des hormones sécrétées par l'embryon lui-même, par le placenta en particulier. Après, le corps jaune, il va dégénérer puisqu'il aura joué son rôle au moins pendant un très long moment. Deuxième cas, donc ça c'était le cas où il y a la grossesse. Donc le corps jaune se développe, hein, continue à. Deuxième cas,
il n'y a pas de grossesse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le corps jaune va évoluer, bien sûr. Il ne sait pas. Il va évoluer, hein? Il va évoluer, évoluer. Et à la fin du cycle, tant qu'il n'y a pas de grossesse, ce corps jaune va se transformer en corpus albicans, en corps blanc. Et ce corps blanc va dégénérer, puisqu'il ne peut pas maintenir une grossesse qui n'existe pas. Donc, voilà. Son rôle va être terminé. Il va mourir. Et qu'est-ce qu'il va rester dans l'ovaire? Il va rester une cicatrice de l'ovulation. Une cicatrice de l'ovulation. Hein, par lequel, donc, il a éclaté. Et, voilà. Donc, chaque cycle, alternativement, c'est-à-dire soit l'ovaire droit, soit l'ovaire gauche, donc alternativement, à chaque cycle, il va y avoir une trace de ces ovulations qui vont rester. C'est-à-dire que dans un ovaire où on aura beaucoup, beaucoup de cicatrices, donc c'est une sorte de petite cicatrice par lesquelles ça veut dire que c'est un ovaire qui a beaucoup travaillé, qui est assez âgé, etc. Dans un ovaire où il n'y a aucune trace, aucune cicatrice, qu'est-ce que ça veut dire? Deux possibilités. D'abord, soit que on est avant la puberté, donc hein, les ovaires n'ont pas encore travaillé, soit que pour une raison. Ah, il y a quelqu'un qui me dit la vidéo elle est coupée. Est-ce que d'autres sont en train de. S'il vous plaît, un petit mot, vous me répondez. S'il y a des gens qui m'entendent, au moins écrivez-moi. Il y a quelqu'un qui dit la vidéo est coupée. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Bon, je ne reçois pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Bon, il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Je ne sais pas. Ah, quel dommage. Jusqu'où vous avez entendu au moins? Au moins écrivez-moi jusqu'où je ne sais pas. Oh là là. Ah, c'est pas possible. Alors si la plupart ne m'entendent pas et ne me voient pas, c'est pas possible, hein? Moi je me casse la tête comme ça. Oh là là. Jusqu'à quel moment est-ce que vous m'avez suivi? Ah, c'est pas possible.
c'est pas possible, hein. Alors. Ben, c'est pas de ma faute, hein. Moi j'ai fait le... Moi j'ai fait l'effort depuis tout à l'heure, je suis en train de parler. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? La connexion, ça vient pas de moi, hein. Ça vient pas de vous non plus. Je sais pas comment on peut faire. Si vous avez une solution, je sais pas si vous êtes en train de m'entendre, hein. Si vous avez une solution, proposez-moi une solution ou un autre moment, ou je ne sais pas, comme vous voulez. Moi, en tout cas... Moi, en tout cas, je sais pas, comme c'est comme vous voulez. Bon, je peux continuer, hein. Bon, s'il y en a quelques-uns qui me suivent, moi je peux continuer et c'est tout, hein. Donc voilà. En tout cas, elle sera enregistrée. Et ceux qui veulent la voir à un autre moment où il y aura une meilleure connexion, vous pourrez la voir et c'est tout. Donc pour arriver maintenant à l'ovogenèse, donc. Pour continuer. Donc, alors, l'ovogenèse. L'ovogenèse, donc, qu'est-ce que c'est? C'est, comme chez le mâle, c'est la transformation de cellules souches qu'on appelle les ovogonies en cellules sexuelles mûres, qu'on appelle les ovules. Voilà. Alors, comme chez le mâle, toutes les cellules, à partir des cellules germinales primordiales jusqu'à l'ovule, donc toute la série de cellules intermédiaires constitue ce qu'on appelle la lignée germinale. Voilà, la lignée germinale. Donc, qu'on va retrouver tout au long du développement donc, de ces cellules sexuelles femelles. En même temps que ces cellules sexuelles de la lignée germinale sont en train de se développer, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il va y avoir des cellules satellites de l'ovaire qui vont se développer pour former la série des follicules. Donc, follicules primordiales, primaires,